Ah, c'est nul, mon logo il passe pas à la caméra. Attendez, parce qu'on a l'impression que je suis habillée tout en noir. Mais en fait, non, il y a de la couleur là. Du coup, vous la voyez pas, mais il y a bien de la couleur. Hein. Voilà, j'aime pas être habillée tout en noir. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, pour un top 5 make-up d'une marque make-up en fait que j'ai encore jamais fait. J'ai jamais fait de vidéo de ce genre, du coup, je suis plutôt impatiente de le faire. Surtout que c'est une marque que j'adore et je vais vous parler de la marque Sephora Collection. Mais tout d'abord, pourquoi je l'adore? Tout simplement parce que c'est une marque de bon rapport qualité-prix. Les produits ne dépassent rarement les 20 euros et franchement, la qualité elle est vraiment top. Or, c'est sûr, j'ai pas testé toutes les catégories de cette marque, genre je crois j'ai pas beaucoup testé de fond de teint, je crois j'en ai testé qu'un et en fait il m'allait pas. Voilà, je crois j'ai pas tout testé, mais de ce que j'ai testé, il y a des pépites que j'adore et je vais vraiment vous les recommander. Du coup, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Mais si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie et surtout à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Du coup, généralement, quand on se maquille, on commence par le teint et je vous ai déjà dit que j'ai pas testé le fond de teint ou soit si j'en ai testé un, je me rappelle plus trop, mais il m'allait pas. Mais sinon, j'ai testé l'anti-cerne, c'est l'anti-cerne haute couvrance finie naturelle que je n'ai plus parce que voilà, je l'ai fini, je ne l'ai pas gardé. Du coup, je vous mets la photo juste ici. Et voilà, c'est un anti-cerne que j'ai énormément aimé. J'ai dû l'utiliser pendant au moins 2 années consécutives, franchement, sans vous mentir. Avant de trouver le Shape Tape de Tarte, c'était mon préféré. Et du coup, voilà, je vous le recommande à 100% et il coûte que 13,99€, ce qui est plutôt un bon rapport qualité-prix. Et surtout, je crois à mes souvenirs qu'il y avait. C'était un très bon format, il y avait beaucoup de produits dedans. Du coup voilà, c'est un anti-cerne que j'avais énormément aimé et couvrait bon, j'ai pas énormément. En fait, déjà la base de mon visage, je n'ai pas de cerne. Du coup voilà, j'ai pas énormément de choses à cacher si ce n'est des poches, mais voilà, les poches ça se cache pas forcément. Mais voilà, sinon je n'ai pas de cerne. Du coup, je vous avoue que j'ai pas énormément de problèmes pour trouver un bon anti-cerne puisque le terme ça sera à couvrir des anti-cernes et des cernes. Du coup, je n'ai pas de cernes, mais voilà, j'aime toujours l'anti-cerne. Et c'est vrai qu'il couvrait superment bien et surtout, il avait vraiment un fini naturel et on le voyait presque pas sur la peau. En tout cas, sur ma peau, à moi, il se voyait pas. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous le recommande. Et surtout, pour son prix, 13,99€, voilà, c'est sur le marché des anti-cernes, je trouve qu'il se place plutôt très bien. Ensuite, généralement, on poudre son anti-cerne et c'est pourquoi je vais vous présenter la poudre Beauty Amplifier de Sephora Collection qui est carrément vide de celle-ci. Voilà, c'est celle que je suis en train de terminer en ce moment et elle coûte que 13,99€ elle aussi. Et pourquoi je l'adore? Bah, tout simplement parce que déjà son prix, comme je vous l'ai dit, elle coûte 13,99€ et elle a 8 grammes dans le pot, ce qui est énorme. Voilà, parce que généralement, je crois que celle-là, je dois l'utiliser depuis un an déjà. Après, j'ai pas énormément de choses à poudrer si ce n'est mon dessous de l'œil et ma zone T. Du coup, voilà, ça va très très vite, mais elle marche superment bien sur moi et je vous la recommande franchement. Voilà, je crois je l'utilise peut-être quand je me maquille déjà et après je dois la réutiliser une seule fois dans la journée, c'est-à-dire vers midi, 13h en fait, pour repoudrer, pour enlever la brillance. Mais elle marche superment bien et franchement c'est une de mes poudres préférées, si ce n'est ma préférée en fait. Ensuite, troisième produit, on va parler yeux et plus principalement mascara. Sephora Collection a plusieurs mascaras, mais je vais vous parler d'un mascara que j'ai énormément aimé quand je l'avais, parce que je ne l'ai plus du coup. Là aussi, je vous mets la photo qui est juste ici. Et je vous parle du mascara Cinescope effet volume, je ne sais plus trop quoi, attendez. Mascara effet, j'ai oublié un mot. Mascara volume effet panoramique et qui ne coûte que 16,50€ et il est waterproof. Alors encore une fois, c'est un très bon prix parce que c'est vrai que les mascaras, ça coûte quand même assez cher. Et personnellement, j'ai des problèmes en fait avec les mascaras. C'est-à-dire que j'ai des cils très très fins et si je mets trop de mascara, et bah mes cils retombent. Du coup voilà, c'est mon quotidien perpétuel avec les mascaras. Je m'en suis rendu compte il y a très très peu de temps en fait. C'est pour ça maintenant j'utilise plus, enfin j'utilise toujours du mascara, mais ce que je fais c'est que je le mets seulement sur les pointes de mes cils. Comme ça il n'y a plus de paquet ou de mascara en trop qui fait tomber mes cils. Mais sinon pour le Cinescope, c'était vraiment un très très bon mascara que j'avais énormément aimé. Si ce n'est son odeur que je trouvais quand même un tout petit peu trop forte. Mais du coup il donnait énormément de volume. Alors comme son nom l'indique, panoramique. Alors j'ai jamais eu des cils aussi volumineux en utilisant ce mascara. Et voilà, il m'a duré quand même assez longtemps. Et pour son prix, c'est vraiment un très très bon mascara que je vous recommande si vous cherchez un mascara précisément dans la marque Sephora Collection. Et pour finir, on arrive à mon point préféré, c'est-à-dire les lèvres. J'adore me maquiller les lèvres. Et je vais vous parler
de rouge à lèvres mat et d'un baume à lèvres. Alors on va commencer par les rouges à lèvres mat parce que comme vous le voyez j'en ai énormément de Sephora Collection et c'est le Cream Lip Stain. Je suis sûre que vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas je ne sais pas où est-ce que vous vivez puisqu'on entend parler d'eux tout le temps. Voilà, et il coûte que 10,99€, ce qui est extra pour des rouges à lèvres mat et liquides surtout parce que voilà on sait très bien que généralement ça tourne autour des 20€. Si vous ne les connaissez pas, ce sont des rouges à lèvres liquides crémeux mais qui ont un fini mat et qui se déclinent en énormément de couleurs. Alors ils en ont tellement rajouté depuis la sortie officielle de ces rouges à lèvres, ils en ont tellement rajouté que je ne sais même plus combien il y en a, mais il y en a énormément. Franchement je vous conseille d'aller sur le site parce que même moi je ne pourrais même plus vous dire combien il y en a, j'aurais peut-être dû regarder avant, mais voilà, là actuellement je ne sais plus combien il y en a et je vous recommande d'aller regarder sur le site. Mais sinon moi j'ai commencé à utiliser ces rouges à lèvres avec le numéro 13, le Marvelous Mauve, que je vais vous montrer tout de suite parce que je crois que je l'ai encore en plusieurs fois. Du coup voilà, je l'ai encore en deux fois parce que c'était mon préféré au tout début de la sortie de ces rouges à lèvres et je l'ai utilisé énormément. Je crois qu'avant les deux là j'avais déjà dû en utiliser deux flacons. C'est pour dire, oui c'est beaucoup, je sais. Alors du coup celui-ci c'est un nude qui se rapproche actuellement un peu de celui que j'ai, mais il est beaucoup plus rosé. Et celui que j'ai c'est le numéro 2 il me semble, c'est le classique beige. Oui voilà, c'est celui-ci. Du coup bah c'est un nude beige tout simplement et je les adore. Enfin franchement, sans vous mentir, c'est les rouges à lèvres que je mets dès que je sais que je sors, dès que je sais que je vais boire ou manger en fait. Parce que ce sont ceux qui tiennent le plus. Parce qu'en fait ils sont censés être sans transfert ou même s'ils en ont un tout petit peu, bah, il y aura toujours de la couleur sur vos lèvres en fait. La couleur ne partira pas. Et ça c'est ce que j'adore dans ces rouges à lèvres en fait. Même si vous en avez, je sais pas, sur votre bouteille, sur, vous savez, sur le goulot de la bouteille comme... chaque rouge à lèvres font. Même si vous avez des traces, vous aurez toujours de la matière sur vos lèvres et ça c'est vraiment un bon point pour moi. Du coup voilà, si vous recherchez des liquides mat, je vous les conseille fortement parce que pour moi ils sont géniaux et je sens que je vais les utiliser encore pendant des années. Je les adore mais à un point vous pouvez même pas imaginer à quel point j'adore ces rouges à lèvres. Et voilà, du coup je vous les recommande à 100% si vous en cherchez. Et pour finir, on va rester dans les lèvres et je vais vous parler d'un baume à lèvres. Du coup, c'est celui-ci et c'est un baume à lèvres révélateur de couleur qui ne coûte que 12,99€. Alors oui, je sais, ça paraît quand même un peu cher pour un baume à lèvres, mais sincèrement, il est vraiment, mais absolument génial et je l'adore. Alors tout simplement, si vous ne savez pas ce que c'est un rouge à lèvres, un baume à lèvres comme un baume normal en fait, sauf qu'il est universel et en fait il s'adapte à la couleur de vos lèvres, au pH de vos lèvres et ce qui donne en fait une couleur personnalisée si je peux dire ça. En fait je le mets dès que je veux pas réellement me maquiller ou quand je sors mais que voilà j'ai pas le temps ou j'ai pas réellement envie. C'est ce que je mets sur mes lèvres parce que j'aime toujours avoir quelque chose sur mes lèvres en fait parce que j'aime pas... En fait, cette sensation qu'on a un peu quand on sort dehors, quand il fait un peu froid et tout, les lèvres asséchées, je déteste ça. Du coup, voilà, je mets toujours quelque chose sur mes lèvres et lui, c'est vraiment mon passe-partout en fait. Je le mets à chaque fois, à chaque occasion. Il est toujours dans mon sac et je l'adore et je vous le recommande franchement si vous recherchez un baume à lèvres de ce type en fait. Donc, voilà pour mon top 5 de la marque Sephora Collection. Et c'est vraiment pour moi une marque qui vaut le détour et franchement, elle vaut qu'on s'y arrête dessus et qu'on teste ces produits parce qu'il y a vraiment des produits géniaux et je suis même sûre que vous en avez déjà testé. Si c'est pas le cas, bah allez-y, franchement foncez parce qu'il y a vraiment des pépites et moi je vous les recommande, ces 5 produits déjà que je vous ai présentés, je vous les recommande déjà parce qu'ils sont vraiment géniaux et voilà, je vous incite à y aller, à aller tester parce que c'est vraiment une très très bonne marque. Mais du coup j'espère que cela vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la marque Sephora Collection, les produits que vous avez déjà testés, ceux que vous aimez et ceux que vous aimez un peu moins. Moi ça me ferait plaisir d'en découvrir encore d'autres parce que j'adore cette marque. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.